Bonjour et bienvenue pour ce 8e épisode de la spéciale Pokémon Soleil. Nous sommes à Lilii, retour à Lilii. Et il est temps d'affronter Pectorius, le doyen de l'île de Mélé-Mélé. Alors comme ça, tu as réussi l'épreuve de la grotte verdoyante. Félicitations, jeune homme. Vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, ma touffe. Et toi, le revenu de vos mesures au doyen de l'île, c'est moi, au cas où tu n'aurais pas compris. Moi, on me l'a dit à peu près 40 000 fois. Avec plaisir, bien sûr. C'est parti, allons-y. Ma touffe est fin prêt. J'aurais peut-être dû donner... Non, j'aurais peut-être dû donner la Normazélite à Gwynfrex, ouais. Peut-être, oui. Peut-être. Bon, c'est trop tard. Dans tous les cas, j'ai envie de dire c'est trop tard. Un ou deux jeunes dresseurs, avant tout. Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont lancés dans cette formidable aventure qui est le tour des îles. Trêve de formalité, place à l'ultime épreuve de Mélé-Mélé, un combat Pokémon contre le doyen de l'île, c'est-à-dire moi. Ce qu'on appelle la grande épreuve. Alors. Alors, grande épreuve, doyen de l'île, machin truc. Quand vous allez voir au niveau des Pokémon, vous allez dire, oh, attends, il protège qui, lui, avec ce truc-là? Parce que, bon. C'est la grande incohérence, bien sûr, dans Pokémon, les champions d'arène et tout ça. Eh bien, c'est le foutage de gueule, parce qu'au final, ils ont des niveaux nuls, là, au début. Hein. Au début, bien sûr. Après, c'est pas pareil, mais dans les premières arènes et là, les premières épreuves, nécessairement, les niveaux sont très bas. Ce qui est... Très bête, mais bon. Ok, Ferro-Singe. On commence par un petit Ferro-Singe sympathique sur lequel on va faire Crofeu. On n'a toujours pas loupé une seule fois Crofeu. Hein. Ok. Le flinch, pour commencer, bien sûr. Petite flamèche. Tranquille, on termine. Gentiment. Plumeline monte au niveau 13. Bon, Plumeline va prendre Tranchère. Ah bah oui! Tranchère tous les jours à la place de Pic-Pic, oui. À la place de Pic-Pic qui nous servira pas trop. Enfin, de toute façon, on n'est pas censé se servir de Plumeline, hein. Je n'en ai point l'intention. Donc bon. Pectorius, le doyen va utiliser Makuhita, chargé de Pokémon. Non, on va garder Matoufeu. Qui est le main, évidemment, hein, de mon équipe, bien sûr. Tant qu'Amphinobi n'est pas. Ne nous obéit pas. Bluff. Très bien. On ne se sortira pas totalement indemne de ce combat, quoi qu'il en soit. Oh, il s'en fout. Oh, il a Isogresse. Oh, la brûlure. Oh, il a trouille. Flinch Burn. Flinch Burn, mon gars. C'est indécent. Total soin. Non. Pourquoi je brûle un mec qui a un total soin, quoi? Bon, ça m'a apporté un petit peu de dégâts en plus, hein, faut bien l'avouer. Et on va faire Flamèche. Pour terminer. Je pense que ça suffit. Ouais, quand même. Pas du tout. Zut. Comme c'est dommage. Il a pas fait une seule attaque combat en 3000 tours. J'ai envie d'envoyer Gwynfrex. Ah, peut-être que je suis un peu gourmand. Mais j'ai envie d'envoyer Gwynfrex. Alors si il me sort une casse-brique ou un coup croix des familles, je pleure. Ok, j'ai de sable. Ça c'est embêtant. On va faire casse-brique. Ne loupe pas. Cogne. Ah mais non, il a cogne. Oh, pas 5 fois. Pas 5 fois. C'est bon, 2 fois. On ne loupe pas. Non. Bon. Allez, on prie. Non. 2 fois alors. Juste 2 fois. Ou 3. Ah, 3 ça peut passer éventuellement. Non, je suis trop con. Pourquoi j'ai fait ça? Il prendra pas d'expérience. Mais pourquoi il a pas fait cogne sur mon Matoufeu aussi? Ah, parce qu'il a fait bluff, puis total soin. Puis j'ai de sable, ouais, c'est vrai. Il a montré 2 attaques, dont une qui faisait forcément au premier tour. Aïe, j'ai pensé que la flamèche, elle finirait juste avant. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage, c'est dommage. Cravagar. Bah oui, du coup Gwynfrex prendra pas l'XP du Crabagar. C'est dommage parce qu'il est niveau 15 quand même. C'est vraiment très très dommage. On ne loupe toujours pas Crofeu. Attaque Z du Crabagar. Alors ça va pas déconner, je me demande s'il va pas me casser la gueule. Mais j'en ai un peu peur. Combo Hyper Fury. Attaque Z type combat, hein, vous l'aurez compris. C'est tout! En même temps, elle vient de quelle attaque, cette attaque Z? Parce que si elle vient d'une attaque comme Cogne, par exemple, bah forcément, c'est que 100 de puissance. Ce qui reste intéressant, vous allez me dire. Poursuite. Non, pourquoi poursuite?
Pourquoi poursuite? Si je loupe au feu maintenant. Ça va, ça va. Coup critique qui sert à rien, bien sûr. Splendide. Bon, moi, on monte niveau 19 avec ma tout feu. J'ai au moins ça pour me consoler. Égalité parfaite entre l'attaque et l'attaque spéciale, encore une fois. Ma tout feu va prendre hurlement. Est-ce que j'ai besoin d'hurlement? Franchement, non. Enfin, c'est une attaque très intéressante. Mais pour le let's play, est-ce que hurlement va me servir? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Les 4 attaques que j'ai pour l'instant me serviront beaucoup plus que hurlement, à mon humble avis. J'en suis convaincu. Mouf. Ta victoire ne doit rien au hasard. Tu es sans conteste un excellent dresseur avec d'excellents Pokémon. Je fais bien. Je sais. On dirait que Tokoriko est d'accord avec moi. Je parie qu'il boue d'impatience de vous. Il boue. Ah putain, je viens d'apprendre la conjugaison du verbe bouillir. Il boue. Voilà. En même temps, il bouille. Non, c'était pas il bouille. Mais j'avoue, on conjugue pas. On conjugue jamais ce verbe. On utilise toujours un infinitif. De vous affronter quand vous serez devenu plus fort, tes Pokémon et toi. Tiens, prends ce cristal gel, il te permettra de transmettre ta force à tes Pokémon. Mais j'ai... Ah, c'est génial, ta combat. J'ai. Comment ça s'appelle? J'ai casse-briques sur mon Goinfrex. Et oui. Bon, il a la vive-griffe qui me sera peut-être plus utile en fait. En vrai, je me demande si c'est pas plus utile. Donc, à voir. Je vais peut-être lui donner quand même. Je sais pas trop. Non, mais il est lent. C'est sur ma tout feu que j'ai envie de. Enfin, c'est avec ma tout feu que j'ai envie d'utiliser des attaques Z. Pour faire appel à la force Z de type combat, bouge les bras comme ceci et les hanches comme cela. Prends la peau. Attendez. Faites-le chez vous, bien sûr. N'oubliez pas, c'est important, un peu d'exercice et 5 fruits et légumes par jour. Sur ce, mon petit haricot, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as terminé toutes les épreuves de Mêlée, la première île d'Alola, grâce à ce tampon. Oh, il va falloir que je revienne pour capturer un Pichu, ça c'est chiant. Grâce à ce tampon, preuve de la réussite de l'épreuve de Mêlée, des Pokémon t'obéissent au doigt et là jusqu'au niveau 35. Ah, c'est con, en Funobi, niveau 36. Même ce que tu as reçu en échange. Même en plein jour, la lune est là, quelque part. Pareil pour le soleil, en pleine nuit. Ce n'est pas parce que... On ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas, tu sais. En traversant les îles d'Alola, tu vas rencontrer bien des gens et bien des Pokémon différents. Intéresse-toi à ce qui se cache sur la surface. Un jour, tu reverras Tokoriko, je le sais. I know it. Ah, notre ami Tauros. Bonjour. Tout doux. Bah, il s'est arrêté, hein. Il s'est arrêté net, hein, d'ailleurs. C'est presque suspect. Je viens d'avoir une idée. Que dirais-tu d'utiliser ce bon vieux Tauros comme monture? Tu lui rendrais service. Il n'a qu'une envie, c'est de faire le tour des îles lui aussi. Le cri de taureau le moins viril de l'univers. Tu vois, elle s'est décidée pour cet équipement. Et en selle. Alors, le costume le plus moche de l'histoire, vous allez le voir. Appel monture. Alors ça, c'est ce qui remplace les CS. Et oui, c'est ce qui remplace les CS totalement. Vas-y, mon petit bonhomme, grimpe-lui dessus pour voir. Avec un costume moche. Voilà, le costume est horrible. Absolument horrible. Dégueulasse. Alors, le paysage est complètement différent vu de là-haut, pas vrai. N'oublie pas, là, tu trouveras de nombreux Pokémon qui seront ravis de transporter sur leur dos. Ces Pokémon nous rendent un fier service. Avant toute chose, passons rapidement en revue la tirade que je viens de te donner. L'appel monture, oui, j'appuie sur Y, mais oui, je sais. C'est la tenue que tu dois porter pour monter un Pokémon, c'est tout bête. Ah, c'est formidable, je suis très content. C'est censé être un casque en mode brutalibré? J'en ai bien l'impression. Allez, fonce aux quatre coins d'Alola avec Tauros et prends bien soin de lui pour moi. Utilise l'appel monture où que tu sois et la Pokémonture arrivera aussitôt pour t'aider. Incroyable. Mieux que Uber. Félicitations, Rico. N'hésite pas à utiliser l'appel monture. Oui, c'est formidable. Remporter la victoire sans utiliser la force Z, je dois avouer que je suis impressionné. Comment il sait que je l'ai pas utilisé? Oh! Si je l'avais utilisé, il m'aurait dit quoi? Il m'aurait dit, oh, tu as fait preuve d'un grand courage avec la force Z. Il m'aurait dit la même chose. Dans l'autre sens, au final. Tu sens un excellent tour des îles, merci. Comme une meilleure coupe de cheveux ou des fringues un peu plus classe. Ah non, arrête, arrête. Non, non, les cheveux, je les ai changés, ça m'a coûté 13 000 balles, hein. Non, 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 tu peux pas me dire ça pour les cheveux. La tenue, ok, on peut faire mieux, hein, mais les cheveux, tu peux pas me dire ça, frère. Ça m'a coûté 13 000 balles, les cheveux. Non, mec, non, ne fais pas ça. Fauchage, ok. On a perdu retenue sur Goinfrex, on chope fauchage, très bien.
je la prendrai à personne de toute manière. Est une capacité qui laissera toujours un PV à ton adversaire. Avec ça, tu peux pouvoir capturer tout plein de Pokémon. Oh là, super, magnifique. Pour le reste, passe d'abord. Dire au revoir à ta petite maman et rejoins-moi après ça. Allons dire au revoir à maman. Je suis seul. J'aurais une faveur à te demander. Restons distants, j'écoute. Voilà. Ça m'envoie de mon petit doudou. J'aimerais le ramener d'où il vient. Comme tu le sais, j'aurais pu avoir de très gros ennuis s'il n'avait pas été là. C'est pourquoi je voudrais au moins lui rendre ce service. Hélas, n'étant pas dresseuse, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire grand-chose avec toi à mes côtés. En revanche, je sais que c'est égoïste de ma part de te demander ça, mais... Tu peux compter sur moi. Soyons pas distants à ce point. Mais voilà, rassure-toi, tu ne sais pas à quel point tu m'as une épine du pied. Dans ce cas, nous allons t'accompagner jusqu'à l'île suivante, Doudou et moi. Voilà, il devait pas sortir du sac, mais il sort tout le temps, en vrai, hein, mais bon. Eh ben, on va faire comme si c'était normal. Plutôt combat zélite, du coup, sur Winfrex. Hein. Oui, on va lui enlever on va lui enlever la vive-griffe. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est plus logique, la vive-griffe, pour lui, quand même. C'est plus logique. Moi, c'est le gros Lozen que je voudrais, pour qu'il évolue quand même un jour. Ça pourrait être utile. Non, on va pas fouiller chez les gens, même si visiblement ça ne choque personne hein, dans les jeux Pokémon. Attendez, Y. On va enregistrer Tauros sur la flèche du bas, bien sûr, puisque c'est la Pokémon Tueur qu'on va le plus appeler. Attendez. Oui, voilà. Le petit chemin. Alors, des fois, quand vous cassez des rochers, il y a un objet. Sous le rocher que vous avez cassé. Attendez, il y a un objet qui est là. On va le récupérer. Ah non, on va combattre un Pokémon sauvage avant ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Bon, c'est vrai que vu les niveaux, bon, c'est pas top. Mangluton. Très bien. On s'en fout. Mangluton niveau 10, on fuit. Ah, niveau 10. Ok, ils sont niveau 10 sur cette portion de la route. Intéressant. Ok. Alors que je saute pas là. Voilà. Parfait. Une pépite, 5000 Pokédollars, c'est bon ça. Ça va rembourser en partie les frais capillaires. Encore une rencontre, évidemment. J'ai bien fait de passer par là, visiblement. C'était vraiment un très bon choix de ma part. Un Picasso. J'ai encore cet espoir de tomber sur un shiny en plein pendant le tournage d'un épisode comme ça. Ce serait magique quand même. Ce serait magique. C'est magique de rien avoir pour le capturer en plus. Non, j'ai plein de balles. Par contre, j'ai pas du tout de ce qu'il faut dans mon équipe pour ça. Mais peu importe. Retournons à la zone, mais... voir moment pour lui dire qu'on part. Maman, je pars. J'ai 11 ans, je pars à l'aventure. Ok. On va tout raconter. Alors comme ça, tu as réussi la grande épreuve de mêlée. Félicitations, mon chéri. Prochaine étape, Akala, comment tu sais? Tu peux t'y rendre en prenant un bateau depuis le port d'Ekaeka. Une dernière chose avant de partir, tu devrais faire un tour du côté de la colline d'Ikarat, près du laboratoire Pokémon. Il paraît que des Pokémon rares y rôdent. Va tous les attraper, mon chéri. Et sur des îles, ça avance. D'accord. J'ai dû lui appuyer sur A involontairement après. Est-ce qu'ils ont soigné mes Pokémon depuis tout à l'heure? Oui. Tout à fait. J'ai pas fait gaffe. Mais oui. Alors non, je vais pas passer la colline d'Ikarat, je m'en fous un peu, je vous le cache pas. Non mais je veux un Pichu par contre. Je veux un Pichu. Attendez, je veux trouver une zone où il y a Pichu. Attendez, on va faire Pokédex. On va être fixé tout de suite. Pokédex d'Alola. On va faire recherche. Par nom. P. Laisse-moi tranquille. Écran tactile, merci. Valider. Pichu. Habitat. Ok, il est pas là. Il était au-dessus. Ok, mais il est là. Ok. Ok, ok, ok. Mais je crois qu'il est à 10% seulement. Ça, c'est un peu galère. Poursuivons. À d'autres Tauros, bien sûr. Alors, une fois que vous avez Tauros, je veux dire, les déplacements sont un poil plus rapides. Hein. J'exagère. Pas du tout, évidemment. Alors là, vous voyez, il y a un coucher de soleil. Ma console est à la bonne heure. Hein. J'enregistre ça. Il est 17h48 au moment où je parle. Et donc, on a un magnifique coucher de soleil. On a des items. Attendez, on va mettre Gouinfrex. Non, on va mettre Plumeline en tête de l'équipe. Ça va être plus pratique. Plumeline est suffisamment rapide pour fuir.
Et va pas faire trop mal aux Pokémon. Aux Pokémon sauvages. Je veux Pichu. C'est la seule chose qui m'importe. Avant de partir de Eka Eka. Un Manglouton, je m'en fous. Suivant. Je veux un Pichu. Super design quand même, Plumine. Hein. Super design. On va pas se le cacher. Je pense que c'est mon préféré niveau design. Je pense que c'est le jaune mon préféré. Y'a pas d'objet là? Ok, triste. Un Pichu. Un Pichu. Allez. Un Pichu. Ok, si c'est pas celui d'après, je laisse tomber. Et je pars de A. Et je pars de. Comment ça s'appelle? De Eka Eka. C'est le prochain ou c'est pas celui-là? Oh, j'irai le chercher pendant. Entre la 9ème et la 10ème vidéo, je pense. Tout simplement. Allez, mon chéri, c'est maintenant ou jamais. Si c'est pas un Pichu, on se casse. C'est très simple. On se casse. Ok, d'accord, tu l'auras voulu. J'avais proposé et tout, mais non, t'as pas voulu venir. Bon, bah écoutez, c'est dommage. C'est dommage. Bon, tant pis, tant pis. Du coup, on va virer Plumine de la tête de l'équipe. Donc, très très productif hein, ces 3 dernières minutes. Hein, on a cherché un Pichu, au final, on l'a pas eu. Vraiment, c'était la meilleure idée de ma vie, je pense. Hein. Honnêtement, on va virer Plumine de la tête de l'équipe. Alors, Poké Détente vibre tout le temps dans le menu et c'est genre super chiant. Pourquoi ça vibre? Pourquoi? C'est bon, je sais à quoi ça ressemble, j'y suis déjà allé. Stop maintenant. Arrêtez de me casser les couilles. Par contre, je suis un trou de balle, j'aurais dû traverser. Plutôt que. Quoique, non. Ça revient au même. Le fait de combattre un Pokémon sauvage, ça revient au même que de faire le tour, je pense. Oui. Allons-y. Par contre, oui, vous allez prendre des murs, hein, je vous le dis tout de suite. Même si vous êtes un as du volant, vous allez prendre des murs. Ça, c'est sûr et certain. Professeur, vous êtes sûr qu'on va pas couler avec votre vieux Raffio? Raffio, putain, ça fait au moins 52 ans que j'ai pendu ce mot-là. On ne se moque pas, c'est un modèle de collection, nuance. Ok, ça a l'air de plaire à Cosmog, c'est formidable. Ah! Pouf! Vous avez vu? Le coucher de soleil, là, c'est devenu plus sombre d'un coup. Bon, d'abord, tu attends le déluge. Non, vas-y, on y va, on y va. Capture Akala, le moteur à fond et les doigts de pierre en éventail. Ok. J'ai failli faire tomber une bouteille d'eau. C'est pas grave, il y avait juste mon téléphone en dessous. Malaise là. Tu as bien regardé notre bateau, tu veux finir 20 000 lieux sous les mers. Oh là, c'est drôle, oh là, oh là. On est sur du jeu de mots. Bah oui, elle a peur de perdre son chapeau. Bah, pourquoi elle aurait pas peur de perdre son chapeau? Évidemment, qu'est-ce que tu racontes? Évidemment. Très bien, ok. On a toujours les super dialogues de Tilly qui sont toujours d'une utilité extrême. Avec des questions rhétoriques. Mais genre, c'est ça la sécurité dans le bateau. Non mais ils vont se casser la gueule. On va se casser la gueule là. C'est quoi ce bordel? Mais rentre dans la cabine, wesh. Qu'est-ce que tu fais là? T'arrives lui? Ah pas bien. Très bien. Akala, nous y sommes. Formidable. C'est long. C'est long. Je crois que le jeu avait planté à un moment. Hein. J'y ai vraiment pensé. Hein, vraiment. Oh oh allez. Ou oh oh al. Je sais pas comment on va dire. Oh oh al. Oh al. Oh al. Oh oh al à Paris. Hein. Nous voilà arrivés sur l'île d'Akala, on débarque de la... barque, ok. Allez, moi, je suis tout à fait d'accord avec Lily. Formidable. Oh, le bâche qu'on lui met! Ah non, ce qu'il y a niveau jeu de mots. Ça fait rire Cosmog, alors que c'est... Ok. Malaise TV! Voilà, oh là, le fort, mais sa légendaire blouse blanche déboutonnée. Mais qui est-ce? Les gens qui te rencontrent pour la première fois doivent se poser des questions. Bah, c'est-à-dire que là, il fait un peu nuit. Donc la blouse ouverte, c'est...
Après, il fait peut-être chaud, hein, ça veut rien dire. Mais bon. Oh, bah si j'ai des amis, alors ça va, ils peuvent voir Cosmog, c'est pas grave. Normal. Bienvenue à vous, les enfants, je m'appelle Alexia. Moi, c'est Barbara. Je suis une des capitaines du coin. Je sais ça, d'accord. J'étais en route pour vous accueillir, j'ai croisé Barbara par hasard. J'ai tous les ingrédients qu'il faut pour une épreuve réussie. Pourquoi on regarde moi et pas Tilly? Ah si, d'accord. C'est de vous deux que je parle, vous avez des têtes à aimer les Pokémon. C'est la première fois, n'oubliez pas que Barbara n'est pas la seule capitaine de cette île. Qu'est-ce que vous comptez faire à présent? Le tour des îles, hein, comme ça va. Hein. Ah oui, pour changer. J'attends notre combat de pied ferme. Eh bien, avec plaisir. Je suis impatient comme une veille de sol. D'accord. Allons-y dans les clichés sexistes, encore une fois. C'est pas comme si... Il y en avait tout le temps, mais bon. Très bien. Elle a l'air de faire de l'athlétisme parce que la vitesse à laquelle elle... Attends. La meuf, vous l'avez vu, elle a couru. Et après, genre, une demi-seconde après, elle marche normal. La meuf qui reprend son calme le plus vite au monde. Hein. Elle s'inquiète de votre traversée, mais ça lui écorcherait la langue de l'avouer. C'est vraiment une fille cool, la frangine Alexia. En plus, c'est une doyenne au top. Akala compte non pas une, non pas deux, mais trois épreuves. Si vous voulez tenter la première hélico, c'est de l'autre côté de la route 4 que ça se passe. Commencez par atteindre le village d'Ohana, et ensuite c'est tranquille. Tant qu'on trouve le centre Pokémon, c'est bon. Et sans oublier Malasade. Oui, ça, on s'en fout. Très bien. Ah, du shopping, voilà. Les fans du shopping, voilà. Putain, les clichés sexistes, on s'arrêtera donc jamais. C'est dingue. On en reste là pour ce 8e épisode du Let's Play sur Pokémon. Soleil, on se retrouve dans quelques minutes. Et oui, si vous regardez cette vidéo au jour de sortie, oui, dans quelques minutes pour le 9e épisode. Ce sera juste après hein, la sortie. Enfin, en gros, vous avez, si vous regardez l'épisode dès qu'il sort, vous le regardez juste après, quelques minutes après, l'épisode suivant sort. C'est quand même magnifique ça. C'est du timing incroyable. Du coup, je vous dis rendez-vous pour le 9e épisode du Let's Play sur Pokémon Soleil, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça y est tout le monde.